Collectif de chercheurs travaille au recyclage des masques à usage unique en milieu médical afin de pouvoir les réutiliser plus d'une fois. Les recherches sont sur le point d'aboutir. Laurence Lecoq, directrice de recherche à l'IMT Atlantique. Il faut dans un premier temps vérifier que le procédé qu'on utilise pour décontaminer le masque est bien efficace. Et puis dans un deuxième temps, on vérifie que le traitement de décontamination ne lui fait pas perdre ses performances de protection. Donc ce type de traitement, on pourrait imaginer de pouvoir les transposer assez facilement pour une utilisation plus grand public. Grâce à des partenaires industriels, le consortium de chercheurs étudie aussi la création d'une filière de recyclage, y compris pour les masques grand public. Une fois les derniers tests effectués, ils estiment qu'elle pourrait rapidement se mettre en place.